Françoise Hardy souhaite parler librement de ses ennuis de santé. Elle qui s'est battue pendant plusieurs années contre un cancer du système lymphatique, a dû également affronter un cancer du pharynx. Une fois la tumeur neutralisée, la chanteuse de 77 ans doit désormais faire face aux nombreux effets secondaires catastrophiques de la radiothérapie. La mère de Thomas Dutronc s'est livrée avec beaucoup d'émotion sur le sujet pour France Info. Ça va difficilement parce que je subis les effets catastrophiques de 45 séances de radiothérapie, a-t-elle confié. L'artiste française qui a vécu une relation à part avec Jacques Dutronc, évoque les nombreux effets secondaires avec lesquels elle doit composer. Je n'ai plus de salive, je suis sourde d'une oreille, j'ai toute la zone ORL qui n'est pas irriguée et c'est très difficile à vivre parce que ça donne des détresses respiratoires. Elle qui a toujours été pour l'euthanasie, et qui avait d'ailleurs aidé sa mère, atteinte de la maladie de Charcot, à mourir dans la dignité, n'hésite pas à donner de la voix pour ce combat. Mais les effets secondaires de son traitement l'empêchent de pouvoir le faire comme elle l'entend. Et puis, c'est très difficile pour moi de faire des choses promotionnelles ou de parler de l'euthanasie parce que je dois consacrer 5 à 6 heures par jour rien qu'à l'alimentation, a avoué Françoise Hardy. Elle irait trop vite à faire l'euthanasie. Si l'interprète du titre Le Temps de l'amour se bat pour cette proposition de loi créant un droit à l'euthanasie pour les personnes souffrant d'une pathologie incurable, son fils, Thomas Dutronc, a récemment confié que sa mère s'emballait sur le sujet. Quand elle a eu des problèmes récemment, elle disait « Bon là, c'est terminé, mais moi j'étais là pour dire attends. » Par exemple dans le cas de ma mère, elle est très comme ça. Si c'est pour souffrir, pour faire de l'acharnement thérapeutique, elle préfère en finir. Mais elle va très vite à dire ça. Elle, c'est l'excès inverse. Elle irait trop vite à faire l'euthanasie, a déclaré le chanteur de 47 ans sur France 2.